Pour célébrer les 30 ans de son inscription au patrimoine de l'humanité, le domaine national de Chambord s'est offert un virtuose, Vincent Koch. Pianiste du trio Wanderer, Vincent Koch s'est produit dans le monde entier. Ici, en pleine répétition, ce surdoué de la valse des touches noires et blanches nous fait part des œuvres qu'il jouera ce soir. C'est un répertoire très, très classique, enfin classique dans le sens de la période, parce que c'est Beethoven, Liszt et Schubert, donc début du romantisme et plein romantisme. Donc il y a un chef-d'œuvre très célèbre qui est le trio opus 99 de Schubert, une œuvre de Liszt qui est moins connue mais qui est très romantique, justement qui va très bien avec ce soir puisqu'il y a un orage en plein milieu, donc ça va bien avec le temps qu'il fait aujourd'hui, et un Beethoven de jeunesse qui est une œuvre pleine de fraîcheur et de gaieté qui est très bien pour commencer le concert. Le domaine national de Chambord, une œuvre d'art qui fait honneur à la musique pour la première fois en ces lieux. Une traversée musicale au fil des siècles qui raconte une histoire. Il y a une histoire de la musique ici, il y a une histoire de la Renaissance et de la musique. La Renaissance, c'est un moment de grande découverte de la musique. Et puis, on a eu aussi de grands moments musicaux à Chambord, notamment avec Lully, du temps de Louis XIV. Les murs du château de Chambord accueillent ainsi une programmation où la musique savante côtoie le style populaire. J'ai essayé de faire un équilibre entre des noms que les mélomanes peuvent, dans lesquels ils peuvent se reconnaître, qu'ils ont peut-être déjà entendu dans d'autres endroits, et puis des découvertes, parce que je trouvais que c'était très important que le Festival de Chambord soit aussi un lieu de curiosité. Avis aux curieux donc, le premier festival de Chambord prendra fin le 29 juillet, un événement qui signe probablement les prémices d'une longue aventure musicale au domaine de Chambord.